apprenez côté. Donc avec ce lieu, on continue à faire l'orange, compliment aux paroles de Dieu.
troisième jour, si tu crois, si tu crois, bon Dieu va te servir. Possible et pour gagner la foi. Mais quel que ça, si vous priez avec la foi, si vous continuez à prier avec la foi, sans demander à quoi vous venez dire Amen. Mais il faut que vous gagnez. C'est pas la foi qui coûte, c'est pas la foi qui gagne ces bagailles et qui met au sac, à la pointe de l'islam, le sang, plus de flammes. Mais c'est la foi qui solide, donc la foi qui pose sur. Pour dire non, on doit voir. Première voie du fait, c'est la lumière. Deuxième voie du fait, c'est écouter parole, bon Dieu. Écoute la parole de Dieu. Troisième voie du fait, c'est sacrement. On dit la vie, nous sommes salis, ici encore, ici d'assaut. Première voie du fait, c'est. Pas attendre. La prière, parce que la prière, il était non en relation avec. Vous n'avez pas besoin de faire, vous n'avez pas besoin de rien, mais vous avez besoin, lors de parler avec mon Dieu, que vous faites pour vos petits, que vous mettez des bandes avec la foi, ça, vous gagnez besoin. Il y a même tout le bagage, bien, ce moment-là, si vous méritez, vous venez, vous avez besoin. La prière, il était non en relation avec. Deuxième, vous avez fait la message encore. Écoute de la parole. Écoutez parole. Bon Dieu. Ça veut dire, bon, pas quelqu'un de parler. Ne dis pas parole, vous mettez là. Dans le couillon chandelle, qui fait moins côté. Ouais, vous dites parole, vous remettez, c'est la vérité. Comment? Parole, vous changer pour non coûter à voir mon Dieu. Et troisième nom, c'est sacrement. Donc, il y a baptême, l'Eucharistie, mariage, etc. Ça veut dire sacrement, c'est source, la grâce, sacrement de l'Eucharistie. Moi-même, après tout ça, on va attendre. Si vous avez là, vous venez seulement pendant 2 ans, vous venez la messe, et puis vous dites, moi, je suis chercher à la caille. Ou pas qu'on va à la messe, parce qu'on va plus une occasion. Eh bien, pour faire pèlerinage, les gagnants et faire patronal, eh bien, on va faire rien. On peut toujours aller participer dans la messe, à l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, la messe là, c'est source la grâce. C'est source, c'est centre, c'est sommet. La vie nous comme bon chrétien. On dit bon chrétien. Parce qu'il y a un bon. On gagne moins bon. On gagne moins bon. Même quand tout le monde qui vient là, à ce qu'il y a dans le métier, tout ça, eh bien, tout c'est bon métier. On doit toujours participer activement dans tout ça. Alors, comme avec ce mieux, on a continué sur la deuxième dimension de la vie. Deuxième proche de la vie, non, qui c'est parole bon Dieu. Tout d'abord, on a dit de texte et on saute. Et puis ensuite, nous gagnons un thème. Eh bien, clergé paroisse là, est préparé comme film, conducteur, eh bien, pendant l'œuvre de ça. Et puis, tout est année à nous. Thème nous dit, quant à vous-même, faut-vous, président, parole de Dieu, ça le dit. Pendant la fête, en fait mémoire, il y a un grand poteau, il y a un qui s'est Saint-Barnabé. Regardez le thème. Pour nous arriver sur Barnabé, pour moi, est-ce que c'était un homme prudent? Oui, quant à vous-même, faut-vous prudent? Non. Tout le bagage.
comme avec ce bio, si on regarde les mots, oui, dans cela, il sautit et dans quatre vertus, ça veut dire vertus cardinales. Oui, les vertus cardinales, oui, dans cela, c'est là. Alors, nous gagnons en verticalité, nous gagnons en prudence, nous gagnons en tempérance, nous gagnons en force, nous gagnons en justice. C'est-à-dire, c'est comme si mon mariage qui fait, si vous possédez une là-dedans, eh bien, vous possédez tout. Si il est bien chita dans la vie, vous avez fait Monseigneur Marie-Claude de la société choisie de ça qui est important. Quant à vous-même, il faut que vous prudent dans toute bagaille, la prudence. La prudence. Alors, rapidement, c'est la prudence. Qui veut dire que la prudence la sortie? Il sortit, il a défini étymologiquement, il sortit, il racine dans un mot latin, prudentia. Eh bien, qui veut dire prévoyant, prévision, compétence, sagesse. Prudentia. Oui, prudentia. Il veut dire quelqu'un qui est prévoyant. Eh bien, qui a une prévision, qui a une compétence, une sagesse. Tout d'abord, quelqu'un qui est prudent, eh bien, c'est un monde qui connaît la distinction. C'est un monde, eh bien, qui a une vision, c'est pas seulement présent, mais futur, mais c'est un monde tout à coup de capter en émo. Eh bien, il y a bon, les pour l'agir, les pour l'agir, pas agir. Pour être prudent, il faut savoir, il faut savoir, il faut voir les conditions, savoir ce qu'il faut faire, exercer la raison. Quelle soit la décision à prendre, quelle soit le savoir-faire pour penser avant tout bagaille. Pour garder qui conséquence il est capable de gagner. Tout d'abord, quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui est attentif à tout ce que peut causer un dommage, qui réfléchit d'abord aux conséquences de ses actes et qui agit de manière à éviter toute erreur. C'est-à-dire, on est prudent, tout le monde dit donc, fais attention dans toute ta gueule pour ne pas faire erreur. C'est un monde qui toujours, eh bien, dans tout bagaille, tu as fait en sorte que pour eh bien, éviter tout ça qui mal. La prudence est justement aussi cette vertu qui consiste à discerner aussi où se trouve notre vrai bien. En toutes choses, en toutes circonstances, et à choisir les moyens les plus justes pour le mettre en œuvre. Dans toute bagaille. On sait son monde qui ont l'esprit de discernement. Ça veut dire pas le discernement. C'est au chita, le cas de tel bagaille, pour réfléchir, pour garder. Eh bien, est-ce que ce sont un esprit qui participe bien là-dedans ou ce qui participe mal? Ça qui va au Kembel, et puis ça qui va là, au. C'est ça, eh bien, quant à vous-même, pour vous prudent, non, toute bagaille. Si on dit que vous cherchez, eh bien, pour le côté bienveillant, vrai bienveillant, dans toute ça la fait, dans tout comme on a la vie, dans toute réflexion à faire, la galère pour loin, est-ce que, eh bien, ça aboutit avec un bagaille qui va porter bon fruit. Tout d'abord, pour nous parler de la prudence, tout dans la vie, nous avons inscrit des quelques figures dans la vie. Moi-même, on a parlé de la prudence. Premier monde visé dans la vie, c'est la Sainte Vierge Marie. Qui était en femme prudente. Songez, les anges Gabriel et Gabriel devant lui, c'est lui. Chapitre 1er, verset 26 à 28. Les anges Gabriel et là, quand elle dit, eh bien, bon Dieu, vous voyez, il salue. Il dit, vous avez fini. Ouais. Il dit, vous plaît avec la grâce, bon Dieu, choisis-vous. Oui, maman. Yeah. Est-ce que Marie peut dire oui comme ça? Pour les bagailles, lui poser des questions. Pour qui ça? Parce qu'il va lui faire erreur. Et pour lui faire erreur, mais ça ne t'a pas donné.
L'ange qui dit, je vous salue, Marie pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, vous pouvez le poser dans votre doigt. Amen. Et puis, Marie dit, là, vous êtes mal bouleversé. Il dit, dans la cosa, alors, tout ça, dit là, mais pourquoi dans la relation avec garçon. Et c'est pour ça que l'ange a expliqué. Il dit, ça ne parle pas de Naoua, ce n'est pas la bagaille du monde avec le monde, mais c'est l'Esprit mon Dieu qui a descendu dans l'eau. C'est l'Esprit mon Dieu, l'homme mon Dieu qui a couvert. Les maris qui écoutent, ils écoutent, et puis tout de suite, eh bien, ils discernent, ils baillent les réponses. Ils discernent pour voir est-ce que c'est voix mon Dieu, est-ce que c'est mes bon Dieu. Eh bien, ils comprennent. Parole ça, l'ange l'a dit là, c'est un message qui se dit, bon côté mon Dieu, et bien il dit, et bien dans le fil, il dit, moi c'est servant. Quand même là, c'est pour ça que pour Jean, pour moi, Jean ou il là. Donc, Marie et nous, et bien là, il danse. Écoutez d'abord, il y a un monde qui danse, un monde qui est attentif dans toute bagaille. Il est toujours à écouter. D'accord, une deuxième dimension là, vie, non, comme chrétien, comme bon chrétien, c'est écouter. Et il y a un gros problème pour mon Dieu, capable de gagner avec nous, mais ce problème, pas écouter. Ouais, l'on pas écouter, ou pas accomplir, ou pas répondre à ça que vous pouvez faire, mais l'air ou écouter, ou comprendre, et bien, moi, après ça, je dis vous faire. Ça veut dire, parole mon Dieu, pour arriver à comprendre, il faut vous écouter. Faut que vous méditez, faut que vous fassiez ça, parole là, mandez pour faire. Pendant la fête de Saint-Barnabé, je dis à tout, on en a parlé de la prudence. On dit la prudence est prudentia, prévoyant, prévision, compétence, sagesse. Eh bien, prudence là, c'est leur compte pour sort de faire, avec ça, ou pas de faire. Et vous toujours exercer, vous toujours agir selon la raison. Vous pas agir par instinct, mais vous agir par la raison. Vous gardez bon côté bagaille là, et bien même vous gardez mauvais côté à tout, et bien vous choisissez. Donc vous choisissez bon côté. C'est ça où c'est un monde qui brûle, là. Tout d'abord, Barnabé l'a fait aujourd'hui, en tant que deuxième figure. À partir de Marie, de Joseph, tout, à privé sous lui, pour nous parler de la prudence. Quant à vous-même, il faut que vous prudent dans tout le bagage. Dans tout ça, vous êtes prudent. Si vous n'êtes pas prudent, et bien tôt ou tard, vous êtes tombé dans le chaud. Donc, Barnabé, c'était un homme prudent. Et Barnabé, la prudence de Jodhia. Parce que d'abord, le texte a dit qu'il était un homme de bien. Rempli de l'Esprit Saint, un homme de foi. Il y en a qui te croient dans Jésus-Christ. Joseph, ça veut dire non, et Barnabé, c'est à peu près Bali, on dit surnom. Et bien, c'est ton Lévi pour une Lévi-Chic qui est payé. Et bien, tout le monde te connaît Barnabé, d'après Actes des chapitre 4, verset 36. Comme un homme de bien, comme un homme rempli, comme un homme généreux. Eh bien, ça veut dire des mots, Barnabé signifie fils d'encouragement. Donc, non, ça, eh bien, son nom côté que, eh bien, nous, Barnabé des Bibles, parce que c'est des fidèles, fils d'encouragement. Ouais, nous sommes bien avoir un homme fidèle à la vocation de gagner pour lui annoncer Jésus-Christ. Zacharie, non, c'est Barnabé lui-même eh bien, qui était présenté eh à Paul, by l'autre apôtre, eh après la conversion de Paul. Ouais, il était prudent, parce que vous bon, connaissez là que Paul allait pour contre le côté apôtre, ça arrivait parce que je déconnais sa Paul lié. Comme yon, Paul, on sait qu'il était ennemi à travers Jésus-Christ, mais sur la route de Damas, eh bien, il rencontrait avec Jésus. Avant, Paul n'était pas prudent, mais l'élevé répondait avec Jésus, Paul dit prudent. Et bien, il présentait, c'est lui qui a présenté Paul by à Apôtio pour démontrer par Apôtio, et bien, c'est un instrument de Dieu. C'est le spécial qui dit mettez Paul avec Barnabé à part pour moi, pour aller annoncer votre nouvelle by la taille
païen, dans l'autre nation païenne. C'est l'Esprit Saint. Vous avez considéré Barnabé comme une qui fait partie à Dieu, même si nous ne pouvons pas dire à Barnabé, mais il fait partie de ce couple. Donc, d'après ça, et les textes nous l'y a dit, et il y a un autre texte encore, avec le chapitre verset 27, et bien l'aide pour encore, et bien, quand nous prenons avec le chapitre 11, verset 24, et bien, nous voyons ça. Avez dit, Barnabé c'était un homme, et c'était un homme, c'est ça que le texte nous a dit, avec le chapitre 11 là, il dit nous, parmi tous les savants qui étaient gagnés dans son antioche, je cite, Barnabé c'est un ladan. Parmi tous les hommes prudents qui étaient gagnés dans l'antioche, Barnabé c'est un ladan. Et bien, qui était très prudent, et bien, qui était gagné la foi. Ça veut dire, sous quelle foi, il y a la foi qui est solide, demandé beaucoup prudent dans toute bagaille. Donc, c'est comme ça, comme avec ce mieux. Sinon, pour l'autre fille, encore dans la Bible, la prudence. Donc, après Joseph. Joseph, c'était un homme prudent. Vous regardez dans Matthieu chapitre 2. Eh bien, Joseph, c'était un homme prudent. Nous songez dans l'histoire, eh bien, en avec Marie, eh bien, il était renvoyé, mais il parlait dénoncé publiquement par la prudence. Parce que s'il dénonçait publiquement, il était capable de lapider. Mais il a calculé en secret pour le renvoyer. Comment pour ne pas faire aucun scandale. Donc, nous voilà, eh bien, si on a parlé de la prudence, eh bien, nous avons besoin d'un modèle. Ça peut être quelqu'un qui dit pour nous, le monde, il était toujours prudent. Et nous-mêmes, comme chrétiens, nous voulons toujours prudent dans tout ça, la fait, dans ça, la dit, dans l'action, la poser. Nous devons toujours prudent. Joseph, son autre fille encore. Et nous prenons encore dans l'évangile. C'est Matthieu, chapitre 25, verset 1 à 13, qui parle de nous, les 10 vierges. Parmi les 10 vierges, il y a 5 qui étaient prudents, il y a 5 qui étaient imprudents. Il y a 5 qui étaient prévoyants, mais il y a 5 mais qui était sorte. Ça qui était prudent, ça qui était prévoyant, et bien nous, non seulement, yo prend l'homme qui a rencontré M. Maria, mais yo gagné l'huile réserve. Ça veut dire dans la foi, c'est pas dans la foi seulement pour l'instant présent, mais c'est dans la foi qui est solide, dans le bon temps, ni dans mauvais temps. C'est l'autre modèle encore, prudence. Cinq vierges qui étaient intelligents. Donc, la prudence, eh bien, il y a un monde qui est prudent, c'est un monde qui est intelligent. Il y a un monde qui est prudent, c'est un monde qui est prévoyant. Il y a un monde qui est prudent, c'est un monde eh bien, qui est toujours à discerner. N'importe ça qui vivait dans la ville, n'importe ça qui vivait dans le monde, il cherchait discerner. Et la prière, les analyser, les garder de bon côté et les garder de mauvais côté. Il y a un monde qui est prudent, c'est pas un monde, et bien si on va courir prononcer, quand il y a des bagailles. Parce que les gens, ils ont des bagailles, ils ont des bagailles. Ils ont des bagailles. Nous-mêmes, chrétiens, nous sommes prudents dans ça, nous avons dit. Nous sommes prudents dans ça, nous avons tenté. Nous sommes prudents dans l'action, dans la poser, si vous voulez, entrer dans le royaume ciel-là. Tout d'abord, dans Romains chapitre 8, verset 6, il parle du cas de la prudence, c'est mon livre. Donc, la prudence, tout d'abord, c'est mon, et bien, qui, comme tu as dit, qui était attentif. C'est un monde qui quittait, et bien, parole de Dieu, c'est un monde qui est toujours à l'écoute et vigilant. Eh bien, dans toute bagaille, c'est tout parole mondiale. Il y a plus de parole mondiale, c'est un monde qui est vigilant, parce que nous sommes sages et dit dans Luc chapitre 12, verset 35 à 40. C'est pour nous prier, c'est pour nous veiller. Donc, monde qui est prudent, eh bien, c'est un monde qui est toujours à veiller. C'est un monde qui est vigilant. C'est un monde eh bien, qui est toujours confié dans la promesse de Dieu. C'est un monde qui croit dans mon Dieu. C'est un monde qui réglait toute la vie, qui m'a connu, qui
avec Jésus-Christ. Oui, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, qui vous donne son monde qui toujours à vivre dans la vérité. Tout d'abord, concernant Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, mon président, vous devez toujours mettre au léon sous Jésus-Christ, un monde qui est intelligent. Ça veut dire que, automatiquement, ou pas dans Jésus-Christ, automatiquement, ou pas en Basel, mon Dieu, eh bien, ou en Basel, Satan. Ça va arriver ou pas de prudent, ben, cherchez prudent. Tout d'abord, on dit que la prudence, ça prend. C'est un entraînement aussi. Il me semble nécessaire aussi de former sur le plan psychologique, moral, la prudence. Tout d'abord, la prudence, c'est aussi dans le vertu cardinal là, c'est un vertu moral. Côté que, eh bien, on peut être prudent, on est prudent, comme ça, son monde qui est tempérance. Et non, on est prudent, tout, avec son monde qui est force. Votre force d'âme, il y a un cœur qui est bien rempli, il y a un monde qui est prudent, tout. C'est un monde qui vit dans la justice, c'est un monde qui pratique la justice. Vous avez dit, nous avons dit, moi-même, dans m'a demandé de pratiquer la justice, et puis faire ça qui correct. Et tandis que la justice, c'est une vertu cardinale. Il marche avec la prudence. La prudence va marcher sans tempérance. Tempérance, la prudence, tempérance va marcher sans force. Et force là, force d'âme, le balai force d'âme, il va marcher sans la justice. On va pratiquer la justice. Donc, regardez par exemple l'évangile de notre jeudi à Saint-Matthieu. Peut-être que Jésus pourrait prêcher non mission. Si vous regardez Matthieu 16, Matthieu 10, verset 16 à 22. Tout d'abord, Jésus déclarait clairement les mots et messieurs dans mission. Il dit moi, moi, et nous, tant que mon temps, en même temps, il y a un bon loup. Tout d'abord, montons, ce n'est pas à tout effort, à bataille avec le loi. Tout d'abord, c'est faire en sorte que pour le loi transformé en agneau. Pour le loi transformé en mouton. Et il dit, c'est pour nous prudents, tant pour l'homme. C'est ça que je suis levé dans le ciel. Et nous, dans le texte, il dit, vous avez une mission, eh bien, allez prêcher le règne du ciel. Premier bagage, Dieu, le règne du monde est tout prêt. Le monde est prêt pour arriver. Qui ça veut faire? Vous devez convaincre. C'est ça, dit dans Matthieu 10, verset 7 à 13. Là. Ouais, dans le texte, on lit, tout ce qui est là. Jésus a parlé avec partisan. Qui est ce partisan Jésus-Christ? C'est tout le monde qui est prudent. C'est tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. C'est tout le monde qui a cherché chaque jour dans la ville, faire volonté mon Dieu, faire mon Dieu plaisir. Donc on a accepté, c'est pas la bête dans le commencement. Eh bien, il y a un saint, c'est un monde qui connaît mon Dieu, qui remet mon Dieu et qui fait mon Dieu plaisir dans toute bagaille. C'est un monde qui vient de faire volonté mon Dieu. Ce n'est pas volonté par votre mari, de dire, c'est pas, eh bien, c'est pour ça que moi, Jean, on dit là, ça veut dire que ce n'est pas volonté par, mais c'est volonté par. Banabé, c'est chercher à faire volonté, mon Dieu. C'est un volonté par, qui c'est pas ton nom, il était toujours dans la ville, chercher à faire volonté, mon Dieu. Il était prudent dans toute bagaille. Il était prudent dans la prédication. Il était prudent dans le service pour vous. Mais tu dois orienter vers bon Dieu. Il y a un témoignage de vie. Donc, quand on dit non, prudence là, peut-être pas dire prudence là, mais apprendre. Eh bien, prudence est entièrement lié au la vie. Donc, chacun comme chrétien. Là, il fait et le regard du Proverbe 22, verset 3. Mais il parle de l'homme prudent. Qui est l'homme prudent? Il dit comme ça, l'homme prudent voit le mal et se cache. Ouais, l'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Mon qui est prudent, ça veut dire tout de suite, mal là, la bien en ouais, là. La fuit mal là, chemin mal là. Bah, qui va bon, hein? Là, c'est ça le proverbe, non? 22, verset 3. Un homme prudent, femme prudent, voit le mal et se cache.
Quand on est mal là, vous voyez, avancez la dent, et bien vous devez faire bac, vous devez exempter mal là. Donc c'est ça que vous voulez au monde qui est prudent. Même ils vont ça, les saints, ça veut dire ça qui pas mouillé dans un yo, mais il y a fini, il y a fini. Donc nous allons faire avec cette chose, la prudence, si on en veut dire, nous devons toujours pratiquer la prudence et toujours prévoyant dans tout le bagage et dit. Si c'est une bagaille, ouais, ça qui vient en faire, et puis ça qui va là. Exemple, courir d'ailleurs, pas, eh bien, foncer dans ça qui va là. Donc c'est ça que les Jésus, vous voyez, messieurs, on a pris dans l'évangile là. Il dit, comme ça, nous sommes un peu prudents, il dit, non, tout caille. Donc, vous venez dans la ville là, gardez, prenez l'information. Ça, c'est la prudence. Vous prenez l'information pour connaître qui est-ce qui correct. Vous savez, qui est-ce qui pourrit dans la ville là? Eh bien, Mounsa qui pourrit dans, Mounsa, eh bien, lui-même qui correct là, eh bien, loger la caille. Mangez tout ça, lui, offrez-nous. Et puis, pas sortir dans la caille à la caille. Par la prudence. Par prudence. Tu vas sortir, oula, 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 eh bien, vous prendre la piège. Mais si vous fixez sur un seul côté, il doit faire travail où? Eh bien, vous appelez le livre. Et ils vont le bagage encore, monsieur prudent, pas porter ni l'homme, ni l'argent de réserve, pas porter ni sandales, ni la de réserve. Nous avons une mission qui est impossible. Nous avons une mission qui est impossible. Pas porter ni l'homme, ni l'argent, pas porter même la de réserve, pas porter sandales de réserve. Nous avons une mission qui est possible. Mais Jésus dit, portez-nous l'hiver, ça va le ballon, c'est vous non, mangez. Et puis, travailler, et bien, mérité, salaire. Par exemple, payer la parole à la, et bien, souvent, fidèle. Mais on dit quoi tout? Et bien, vous pouvez dire que nous sommes salaires, mais la parole est pour l'économie. Payer la parole à la boîte de fidèle, fidèle, madame. Pas de gager vous-même, non? Ah oui, ça va arriver, même si vous risquez, ça va arriver. Mais d'un côté, ça va arriver. Donc, ouvrier qui travaille là, mérité, salaire. Payer la, eh bien, dans la salle à faire, il y a le doué. Et il y a le doué, non, je ne vais pas dire. Parce que c'est avec nous, c'est pour nous, là, là-bas. Donc, et puis Jésus dit, on le bagage encore. Dans chaque cas, il entre, prononcer, première salutation, j'ai dit, qu'est posé pour Kaïsa. Si dans Kaïsa, pas de monde qui sent qu'il est posé, eh bien, la paix a pu même venir joindre. Alors, dans le cas par exemple, si vous êtes dans le cas on a un côté qui n'est pas de bagage, qui est un bouteille, qui est magique, qui n'est pas planté, même si vous êtes prononcé la paix va vous aider dans le cas ça. C'est ça que je suis. Ouais, il y a un 100 000 appels. Donc, pour exemple, on a un chargé avec bagage magique, bouteille, combien de couleurs, puis combien de en bas cabane. Si on peut être dans la coupe, on peut prononcer parole ça, la paix, bénédiction, va tomber, non? Ça fait que si vous voulez bruit, prudent. C'est pour le bruit, prudent. Alors comment avec ce mot? Pendant qu'on a parlé de la prudence, nous disons, ouais, eh bien, racine, il se dit dans mon latin, prudentia, il dit prévoyant, prévision, compétence, sagesse, et nous disons tout, la prudence là tout. Eh bien, c'est un verset qui aide nous, l'organe la caillou, pour discerner, pour faire distinction entre bien et mal, et puis pour choisir moyen juste, et puis correct là, pour mettre en place, pour mettre en œuvre. Alors, avant de faire tout le bagage, ça, en tout cas, pendant la fin ça, première question, nous-mêmes qui là, moi-même, ou même, nous tous qui là, est-ce que nous ne pouvons pas commettre ça de l'imprudence? Oui, c'est une question. Est-ce que, en plus pendant la vie, nous pouvons agir avec imprudence? Alors, si vous ne pouvez pas répondre, ma avec quelques pistes pour répondre. Deuxième dimension là, non.
en campé pour manifester la foi dans le monde, dans mon Dieu papa, dans mon Dieu petit A, dans mon Dieu esprit. Oh,
bah nous gratis, c'est pour nous bah gratis. Pour l'Église Jésus-Christ, qui sont tous pasteurs, pour tout le monde qui est venu, pasteur spécial, pour diriger portion de l'Église de Yah. Bah pour Pape François, évêque Noam, Marie et Gandas Toussaint. Père pour clergé paroissial, pour révérend Père Jean-Michel Lopes, pour révérend Père Valsin, qui a célébré pour nous et avec nous, et en paix tout diable. On demande mon Dieu, maintenant, l'esprit de détermination pour annoncer votre nouvelle, pour tout le monde capable de sauver par la bénédiction de toi. Ensemble, on l'a prié. Pour tout pays sous la terre, il y a un pasteur spécial pays non Haïti, qui connaît toute qualité souffrance, souffrance la misère, chômage, insécurité, la richesse. Monde qui sans secours, sans abri, sans respect pour petit bon Dieu. En la prière, mon Dieu, mon Dieu Jésus, c'est vider la terre au monde. Pour lui battre nos mains, sinon la prière, on nous la prière. Spécialement, ça qui n'a communauté loin dans la renommée, car ce qui n'a pas eu avec dans l'esprit. On demande au Dieu, par l'entremise, c'est à toi, fais une jeune guérison pour toi, et pour l'esprit. On nous l'a dit. Nous mettons toute confiance dans nos mots
Ma foi, Jésus Christ, amen. Non. Thank you.
ensemble avec la campagne de ça, c'est service de l'église.
La nouvelle bébé noire comprend l'humain en moi. C'est pour vous, 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 c'
Thank you.
Jésus-Christ, grand-mère, nous croyons.